Mes projecteurs, hier soir, j'ai regardé cette image que vous êtes en train de voir là avec ma fille. Elle a 8 ans. Elle m'a posé une question que jusqu'ici, jusqu'à présent, je ne parviens pas à avoir une solution à cette question. Avant de vous dire la question, je vous invite à regarder un peu l'extrait de cette vidéo. Et je vous donne la question. Regardez attentivement. Ma fille m'a posé la question à savoir, papa, pourquoi dans notre église, les gens ne tombent pas comme ça? Parfois, quand un enfant te pose ce genre de questions, tu veux même inventer certaines choses pour dire à l'enfant. Mais j'ai réfléchi ce que je pouvais inventer pour dire à ma fille. Je ne sais pas ce que je devais dire. J'ai seulement dit que ma fille, tu n'as pas encore l'âge pour comprendre encore ceci. Même dans notre église, on tombe. Sauf que, comme vous faites le culte, parfois, le culte d'enfants. Chez nous, là, chez les grandes personnes, là, on tombe. Mais comme ma fille, parfois, il finit souvent vite le culte chez eux, là. Elle vient aussi chez nous. Donc, elle dit que, papa, souvent qu'elle vient chez vous, là, je ne vois pas ça. Pourquoi alors? Ici, tu fais parfois constamment, quand tu ouvres ton téléphone, on voit toujours les gens qui tombent à l'église comme ça. Parfois, quand tu montes même tes vidéos, parfois, je suis en train de voir là, papa, quand tu pars souvent fumer dans les églises, je vois comment le pasteur fait comme ça. Les gens tombent. Pourquoi dans notre église, on ne tombe pas? Les amis, jusqu'à présent, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, dites-moi en commentaire, si vous étiez à ma place, vous allez dire quoi à ma fille? C'est-à-dire que il y a deux choses que je vois dans mon pays que quand je regarde comme ça, là, je dis que mec, le changement qu'on parle là, est-ce qu'un jour, il y aura vraiment le changement? Est-ce qu'un jour, on va vraiment... C'est-à-dire que notre degré de croyance, les églises qui naissent chaque jour, je n'ai rien contre les églises. Je n'ai rien contre les pasteurs. Parce que je ne veux pas qu'un pasteur dise cela, qu'il les ait manqué du respect ou bien que j'ai insulté l'église. Non. Je n'ai rien contre les églises, je n'ai rien contre les pasteurs. Mon problème, ce sont les fidèles. C'est-à-dire que vous regardez vous-même comment les fidèles tombent. C'est-à-dire que quand vous voyez le genre de croyance ici, vous pensez que si le pasteur dit que personne ne vote, que personne ne s'inscrit sur la liste électorale, que personne ne... C'est-à-dire que le pasteur est comme Dieu. Si le pasteur, la façon dont vous voyez comment les gens croient, les gens tombent, les gens font les trucs... Mais je me suis toujours posé une question. Pourquoi le caméraman, celui qui filme là, pendant que tout le monde tombe dans la salle, lui ne tombe pas, pourquoi? Chers fidèles, dites-moi, répondez-moi même en commentaire là, pourquoi ceux qui tapent les batteries, comme ceux qui jouent au piano là, pendant que vous tombez, des gens qui jouent à la guitare, au piano, les pianistes, les batteries, les caméramans, pourquoi ils ne tombent jamais? Ou bien ceux-là ne sont jamais possédés? C'est ça. Il y a les bars, dont l'alcool, la boisson. Parce que quand je quitte seulement Gousso pour mon secteur, si je veux me mettre à citer les nombres des bars, wow, je vais m'égarer. Et chaque bar trouve son compte. Chaque bar trouve son compte. Tu passes, les bars sont toujours pleins. C'est comme ça que maintenant, dans les quartiers, un petit quartier comme ça, un petit secteur seulement comme ça, il y a au moins 10 églises. Et chaque église a les fidèles. Bon, quand vous buvez tous les jours, vous saoulez, quelqu'un boit 5, il va encore réfléchir, il va encore penser à quoi? Rien, c'est dormir. Demain, aller attaquer, avoir un peu d'argent, boire une bière, rentrer, dormir. On va encore réfléchir sur quoi? Maintenant, quand on parle à l'église,
prier, tout. Le pasteur dit, faites ceci, faites. On dit, oui, 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 pasteur, oui. Ne faites pas du mal, ne faites pas, ne réfléchissez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, machin. Oui, Dieu n'aime pas Dieu, Dieu n'aime pas, Dieu n'aime. Oui, oui, oui. On prie, on rentre dormir. Comme quelqu'un disait, je voyais où c'était un comédien qui disait que les Africains n'évoluent pas beaucoup. Certains Africains n'évoluent pas beaucoup, beaucoup parce que au lieu de travailler, ils passent le temps à confier leurs problèmes à Dieu. Donc, ils passent le temps à prier et confier leurs problèmes, leur misère à Dieu, attendre, aller se coucher, dormir, attendre que Dieu vienne opérer les miracles. Les amis, travaillez. Travaillez. Dieu lui-même a dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Tu ne vas pas te coucher, attendre que Dieu vienne t'aider, mon ami, zéro. Ça ne marche pas. Bats-toi d'abord avant que Dieu te donne des ouvertures, des opportunités à devenir quelqu'un. Tu ne vas pas te coucher chez toi, aller à l'église, prier, crier, rentrer chez toi, te coucher, attendre les miracles de Dieu. Jamais. Ça ne va jamais réaliser. Bon, quelques-uns que, grâce à l'église, ils ont trouvé l'emploi, ils ont trouvé, ils disent que c'est God. C'est, bon, regarde, chacun est libre, vraiment. Mais je dis que, avec la lutte que je vois, les bars, les églises, rien que les deux, les, et rien d'autre. Mon frère, le changement est encore loin. Le changement est encore loin. Les amis, dites-moi là en commentaire, j'ai partagé cet extrait pour que vous m'aidiez aussi à répondre à la question que ma fille m'a posée. Que pourquoi on ne tombe pas aussi dans notre église comme chaque fois quand tu ouvres Facebook, papa, on voit seulement les églises, vraiment les gens tombent. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous étiez à ma place, vous allez répondre quoi? Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.